Les jours suivants notre départ d'Annapolis, on en profite à fond pour faire de la belle voile. Après tout, on est quand même sur le plus large estuaire des États-Unis avec ses quelques 200 000 nautiques. De deux jours à Solomon Island, juste le temps de faire de la belle pêche au crabe bleu et soirée tiki bar avec d'autres voileux québécois qui font le même voyage que nous. Qu'est-ce que t'as pogné, Alex? Je viens de pogner un petit crabe bleu. Ah oui? Ah. Il est pas content, mais tu le vois-tu? Ouais. Ouais. Beau petit crabe. Beau petit crabe. Félicitations. On va essayer d'en pogner d'autres. J'ai utilisé des coups de poulet. Ah! Ça va, c'est mieux du poisson. Après la première prise d'Alex, on a passé le reste de l'après-midi à essayer d'en attraper. Pour de vrai, cette pêche-là, c'est vraiment addictif. Oh, oh non! Au final, on a pêché 7 beaux crabes bleus. On était fiers sur un méchant temps de voir que c'était pas un mythe la pêche de crabes dans la Chesapeake. Après une belle soirée, on repartait le lendemain matin à 6 h. On aime vraiment ça partir tôt le matin parce qu'à chaque fois qu'on part, on a le droit à des beaux spectacles de lever de soleil. Savez-vous le meilleur? On a perdu tous nos crabes qu'on a pêchés à cause d'une bonne vague qui a tout renversé notre chaudière sur le pont. On a dormi une nuit dans la Jackson Creek, près de Deltaville, avant de repartir le lendemain matin, encore une fois, à 6 h. Quand on reste une nuit dans un endroit, la question qu'on se pose tout le temps, c'est qui descend son moteur de dinghy en premier. Et si personne veut le descendre pour pas avoir à le remonter 30 minutes après, ben, on prend les rames. Au moins, tu checkes un peu ou? J'ai la tablette là. Tout ça pour les 30 ans, Tommy. C'est un double V. Non, un 3. Oh. 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 Ah! Ah! Carré, il va péter. Ah, il était là.
Yo, man! C'est bien malade! Aïe, il est en train. C'est le cul que t'as. On est arrivé en fin de journée à Norfolk, juste à temps pour célébrer les 30 ans de Tommy. C'était vraiment une très belle soirée passée avec nos amis du voilier des deux Va-nu-pieds. On est reparti le lendemain avant midi afin d'aller rejoindre le fameux Dismal Swamp Canal. Il y a un gros Pepsi. C'est-tu que Pepsi, ils mettent des pompes dans la rivière, ça, là? Puis ils mettent ça en bouteille. C'est pour ça que ça coûte pas cher de même du Pepsi. C'est la rivière qui crée le Pepsi. En français, j'en action. C'est qui fait lui? Fais du cheval sur son bateau. Je fais du cheval sur son bateau? Ouais. Non! On a eu droit à une journée ensoleillée qui rendait encore plus magique notre passage dans ce fameux canal. On est où? Dans le Dismal Swamp. On est au Welcome Center du Dismal Swamp Canal. C'est un rest area dans le fond, sur le bord d'une autoroute. Mais de l'autre bord, il y a comme un halte aussi à bateau. C'est quand même nice. Fait que là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est 8 bateaux. Fait que c'est là qu'on est pour la nuit. C'est quand même cool. Tu passes par chez nous? Avec nos petites lumières. Ben, c'est top, hein? Alex qui nous fait un bon souper. Je pensais que c'était vrai. Non, Dee! Allô? Bye! Bye, allô! Fait que c'est notre petit spot pour la nuit dans le Dismal Swamp. Très cool. La rivière au Pepsi, qu'on dit. La rivière au Pepsi, ouais, très beau, mais l'eau, elle est... noir. Le mec Pepsi, puis à moi, c'est comme du Pepsi. Mm.
matin. Bon matin, Tommy. Bonjour, madame. Madame, messieurs. On quitte le Dismal Swamp pour s'en aller à... On s'en va aux écoles. Madame, on s'en va où? Elisabeth. Elizabeth City. À l'Écosse en arrière. Je suis... C'est très beau. Dans le fond, quand on arrive à Norfolk, c'est là que commence officiellement l'intracostal. Puis on a comme le choix de deux voies possibles. Donc, soit qu'on passe par le Dismal Swamp ou par le Virginia Cup. Nous, on voulait tester le Dismal Swamp parce que le paysage est spécial. Là. C'est comme se promener dans, on dirait, des marécages, dans la forêt. Le chemin dans le bois, mais en bateau. Oui, c'est ça. Fait qu'on voulait voir ça, surtout que c'est l'automne, fait que c'est beau. Par contre, le Dismal Swamp, c'est un canal qui a été creusé là, à la main il y a des années, évidemment, là, mais il a 6 pieds de profond. Mais c'est sûr qu'avec le temps, puis tu sais, le fond bouge, puis il y a beaucoup d'arbres, tu sais, c'est beau, mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'arbres aussi dans l'eau. Fait qu'il y avait un petit risque, là, parce que nous, on se rappelle que nous, on a un tirant d'eau de 5 pieds 3. Donc, la distance là, entre la ligne d'eau, puis la quille jusqu'au fond. Le là, bas de la quille. Le bas de la quille. 5 pieds 3. Fait que si on passe dans un canal à 6 pieds, il faut pas qu'il y ait rien dans le fond, là, de notre côté. Tommy et Vanessa, eux, ils ont 3 pieds 11. 10, 11? 3 pieds 10. 3 pieds 10. Donc, eux, ils ont un petit peu plus de jeu. Fait que là, on sort. Ça a bien été. Là, on l'a fait en une journée, mais 2 jours, si on peut dire, là, parce qu'on est parti un petit peu tard. On aurait pu faire une journée, mais là, on l'a étendu sur 2 jours. On a pogné le fond. 3-4 fois. Là. Ben, c'est des bio. On sentait le bateau lever et redescendre, fait que ça devait être des bio. Où on frôlait le fond. C'est des bio de même là, qu'on croise un peu, justement. Mais tu sais, c'est spécial là, la vue. Là. Dans un soupe au bois. Donc c'est ça, mais en tout cas, on est content d'avoir passé par là. Le bateau semble pas trop endommagé. Puis, on n'a pas fini. Non, je sais. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est bien. Ouais, c'est ça. J'aimerais savoir tes impressions sur le Dismal Swamp. Ça dit Dismal Swamp. Non, mais les gens qui parlent pas anglais, ils savent pas. Ça veut dire quoi? Mais non. Ça dirait du Pepsi. Qu'est-ce qu'on fait? Notre bateau. On passe notre dernière écluse. Quand tu penses à la dernière, pas la dernière, mais toujours l'autre. Ouais. Mais là, c'est la dernière pour de vrai. On avait quelques heures et nous voilà presque arrivés à Elizabeth City où on restera 3 jours en attendant des vents favorables pour rejoindre Alligator River. Dans le prochain épisode, Alecos reste pris dans Alligator River et on teste vraiment notre ancre avec nos premiers gros vents.